Good morning, Aleiden Netus. Aujourd'hui, le Nishmat Amram Yona ben Chana Nissim ben Ahuda Sarah bat Chana Rachel et Baruch ben Jamil Tarab Hakohen. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah Contact 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Abad Azara Perek He Mishnatet Eilu Asurin ve Osrin Bekol Shehen Yain Nesech ve Abad Azara ve Orot Levuvin ve Shor Aniskal ve Igla Arufa ve Tzipore Metzora. ושער נזיר, או פטר חמור, או בשר בחלב, ושעיר המשתלח וחולין שנשחטו בעזרה, הרי אלו אסורין ואוסרין בכל שהן. Pour rappel, dans la Mishnah précédente, on avait parlé du vin Yain Nesech, du vin qui a été offert en offrande à la Vodazara, qui, en oblation, qui est interdit à la consommation, très grave interdit, et on apprenait que s'il y a même une goutte qui se mélange dans une très grande quantité de vin, alors que cette petite goutte interdisait tout le mélange, quelle que soit la quantité, même si elle se sent fois son volume. On avait parlé du Yain Esser, du Maïm. Du coup, la Mishnah qu'on apprend aujourd'hui va nous évoquer encore toutes sortes d'interdits qui interdisent une grande quantité. Mais il y a quand même une différence essentielle. On va le faire d'abord, on va commencer à traduire. Elo Asurin ve Osrin be Kol Shehen. Telles sont les choses qui sont interdites à en tirer profit, à consommer et à tirer profit. C'est précisé. Tous les exemples qu'on va rapporter sont des interdits où il y a à la fois un interdit à la consommation, mais même aussi un interdit d'en tirer profit. Et Veosrin, mais Kolchehen, et ils interdisent leur mélange, même s'ils sont Kolchehen, quelle que soit la quantité, face à la quantité d'unités permises dans laquelle ils vont se mélanger, et bien malgré tout, ça interdira. Par exemple, on va tout de suite parler Yain Neser, le vin. Le vin offert en Avodazara. Et là, je précise tout de suite, dans tous les cas de la Mishnah maintenant, dans la Mishnah précédente, on parlait d'une ta'arovet belach, un mélange de liquide. Il y avait des halakhot bien spéciales. À présent, on est en train de parler d'un tout autre sujet en réalité. C'est précisé, ce sera précisé à la fin de la Mishnah dans le Barthénora, et c'est précisé dès le début de la Mishnah dans tous les autres Mefarjim, dans le Tosot Yom Tov, Tiferet Israël, qui explique qu'on parle ici d'une toute autre halakha qui s'appelle Davar Chashuv Lo Batel. C'est une règle qu'on a dans toutes les taharovet. Peut-être que je vais tout de suite vous dire le cas de Bassar Bechalav, comme ça on va parler de Halakha Lemaaseh en plus. On va rapporter ensuite Bassar Bechalav, le mélange de lait et de viande. Il y a une Halakha. Vous savez tous très bien que lorsque du lait, ce mélange tombe dans une casserole de viande, par exemple, s'il y a 60 fois le volume de la goutte de lait, alors toute la viande sera permise. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même une Halakha qu'il faut connaître. C'est que si toutefois le lait se mélange à une tranche interdite de viande, par exemple. J'étais en train de faire cuire, de réchauffer mon steak, j'ai fait tomber dedans du lait. Donc maintenant, il n'y a pas 60 fois le volume. La tranche de steak, elle est devenue assoura. Puisque la tranche de steak, c'est quelque chose de khashuv, c'est une unité importante, d'avoir khashuv, une khatikha khashuva, une tranche importante que l'on peut donner devant un invité respectable, considérable, ou encore, d'accord, c'est quelque chose d'important, alors on a une règle que dans ce cas-là, si cette tranche de steak va ensuite se mélanger même dans 1000 tranches, alors je ne dirais pas « batel bechichim », ça s'annule dans 60 fois le volume, parce que « davar khashuv lo batel », une chose importante, une unité importante ne s'annule pas. Avec inclure dans ça aussi, donc toutes sortes d'objets qu'on va découvrir, toutes sortes de choses dans la Mishnah, qui sont des unités importantes, des choses dénombrables. On parle même d'un œuf, par exemple. Lorsqu'on vend un œuf, on ne prend pas un carton d'œuf, on vend 5 œufs, 30 œufs. Ça se vend à l'unité. Donc du coup, les poskim parlent, expliquent que des œufs, par exemple, si toutefois on vend des œufs à l'unité, alors un œuf, ce ne sera plus ça pourra plus s'annuler s'il y a un œuf interdit qui se mélange. D'accord ? Selon ce même principe, donc c'est davar khashuv, c'est le principe de la Mishnah. Et tous les exemples qu'on va voir dans la Mishnah, en réalité, on va parler que ce sont des unités importantes dénombrables. Et on va tout de suite les traduire, on fera un petit point ensuite, d'accord ? Il y a une esser, donc du vin de Avodazara. Les Mefarshim expliquent qu'on parle que, regardez dans le Barthénora, Chavit Echad Achad Be'elef, un tonneau de vin, c'est quelque chose de khashuv, d'important, ça se dénombre en unités, c'est, d'accord ? On ne dit pas que c'est 50 litres de vin, on dit non, c'est un tonneau de vin. Ça prend un nom d'une unité, donc si un tonneau se mélange même parmi 1000 tonneaux, ce sera interdit à la consommation. On évoquera ensuite
après la fin de la Mishnah, la solution apportée dans le Bar Tanora, pourquoi ce détail-là de Halakha va être réfuté. Mais pour le moment, on continue. Bah, Avodah Zara, idem encore, si c'est des objets de Avodah Zara, ça peut être même des pièces de Avodah Zara, là comment elle parle, ce sont des unités importantes, interdites à en tirer profit, donc les deux conditions sont remplies, unité importante, interdite d'en tirer profit, de ce fait, ça devient, ça rend, même si une pièce va se mélanger dans 1000 pièces, il faudra aller jeter à la mer toutes les 1001 pièces qui se sont mélangées. Idem encore avec Ve'orot Levuvim. On avait appris ça, ça a été évoqué déjà dans Maseret Avodah Zara. On parlait, il y avait un rituel d'offrir le cœur des animaux à la Avodah Zara. On abattait l'animal, je ne sais pas comment il faisait, mais il lui découpait le cœur, et il ressortait ensuite le cœur. Et du coup, ça fait que quand on retirait ensuite, il dépeçait la bête, il retirait toute la peau, ben il s'avère qu'on trouve, on voyait que c'était une peau, il y avait un endroit, un trou spécial, qui était justement le trou qu'ils avaient fait initialement pour le cœur. Et donc là, et donc, si on voit une telle peau en vente, il faut savoir que forcément elle a été offerte pour la Avodah Zara. Et si elle va se mélanger dans 1000 autres peaux, ouais, qui n'ont pas été offertes à la Avodah Zara, mais puisqu'une peau c'est quelque chose d'important, dans la mesure où c'est plus reconnaissable, imaginez par exemple, une fois qu'on avait cette peau, on a coupé la partie qui était trouée. Malgré tout, toute la peau, elle reste, la peau de l'animal, elle reste entièrement interdite à en tirer profit, puisqu'elle a été offerte pour la Avodah Zara. Imaginez que quelqu'un a manipulé cette peau, et puis ensuite elle s'est mélangée dans autres, dans 1000 autres peaux, on n'arrive pas à la reconnaître, et bien ça interdira toutes les peaux. Ensuite, Veshor Aniskal, un taureau qui est condamné à mort, à être lapidé, parce que c'est un taureau qui a tué, parce que c'est un taureau qui a eu un rapport avec un être humain, dans un sens, avec une femme ou avec un homme, peu importe, alors ça s'appelle un Shor Aniskal, que maintenant il est condamnable à mort, et ce Shor Aniskal, si maintenant, pendant qu'on était en train de vouloir le prendre pour partir en Bedin, il a pris une crise, il s'est enfui, il est parti se mélanger dans un troupeau de taureaux où il y avait dedans 10 000 taureaux, on ne va plus le retrouver, et bien la halakha nous dit il faut tuer les 10 001, puisqu'il y en a un qui est parti se mélanger en 10 000. Ensuite, Ve'egla Arufa, la génisse énuquée, ça se dit, je crois. La fameuse histoire lorsque l'on trouve un mort à proximité d'une ville et qui a tout un rituel à faire, de mesurer, puis après d'amener le Bedin et d'abattre là-bas une génisse, une petite vachette, en lui cassant le, en lui fracassant la nuque. D'accord ? Donc là, ça c'est Egla Arufa. Et si, une fois qu'on l'a abattue, elle s'est mélangée, donc il est interdit d'en tirer profit, c'est quelque chose d'important parce que c'est une unité, c'est une bête, de nouveau. Si toutefois, erreur de manipulation, elle s'est mélangée avec 1000 autres génisses, alors, et qu'on n'arrive plus à la reconnaître, elles sont toutes interdites à en tirer profit. Vetsipore, Metsora, les oiseaux du lépreux. Pour faire la purification du lépreux, il faut amener des oiseaux, un que l'on va égorger, un que l'on va renvoyer. Ces deux oiseaux sont interdits d'en tirer profit. S'ils se mélangent avec deux oiseaux, alors c'est une unité, ça devient un s'interdit, même les 1000. Ou c'est Ara Nazir, les cheveux du Nazir, celui qui a pris sur lui pendant 30 jours. De ne plus boire de vin, ne pas se rendre impur. Une fois qu'il a fini, il a laissé pousser ses cheveux, on va lui faire un petit coucou, et on va lui couper ensuite tout le coucou, et il faudra une halakha qu'il est interdit d'en tirer profit de ses cheveux. Il faut au contraire les brûler au Beit HaMikdash lorsqu'on fait cuire le shelamim. Et si toutefois cette couette, elle s'est mélangée avec 1000 autres couettes, alors on ne pourra plus, il faudra toutes les détruire parce que c'est un interdit à la consommation et qui est de nouveau une unité importante. On continue, au Peter Hamor, le petit âne qui est né, qui a ouvert la matrice de sa mère, c'est un Bechor. Alors là, il y a une halakha de Peter Hamor, que interdit d'en tirer profit. Et donc si se mélange dans 1000, on ne pourra plus de nouveau, ce petit âne se mélange dans 1000 ânes, et bien il faudra en théorie abattre les 1001, mais il y a quand même une solution qui est rapportée ici dans le Bar Tanora, qui consiste à nous dire, il n'y a aucun problème, tu vas chercher, puisque le Peter Hamor, l'âne qui avait ouvert la matrice de sa mère, lui, on ne peut pas l'apporter en corban au Beit HaMikdash. La mitzvah qu'il faut faire, c'est de racheter la sainteté qu'il y a sur lui, la transférer sur un mouton et donner le mouton au Kohen. Et donc de ce fait, en réalité, le Bar Tanora nous apporte. Plus si c'est le Bar Tanora, ou c'est qui l'a dit. Ah, Peter Hamor, c'est plus loin ici, d'accord. Au Peter Hamor, il y a un petit problème d'ordre, j'ai l'impression, dans le Bar Tanora, c'est pas tellement organisé comme il faut. C'est pas grave. Au Peter Hamor, à Sourbana, Kozman Shelo Nivda, tant qu'il n'a pas été racheté. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque je vais avoir les 1001 ânes mélangés,
eh ben, je pourrais amener un C, un mouton, et transférer la Kdusha du Betachamor sur le C, et après faire comme la Lachan nous prescrit, d'amener le C au Kohen. Ensuite, au Bassar Bechalav, on l'a évoqué quand on a pris l'exemple, le vin, la viande et le lait qui se sont mélangés, si toutefois ça formait maintenant une unité importante, puisque le Bassar Bechalav s'est interdit d'en tirer profit. Ça a porté trois fois dans la Torah, l'autre Meshal Gdi Bachalavimo, un, les sourds Achila, interdit de consommer, les sourds Anaha, le deuxième fois ça a été répété pour insister, pour te dire que c'est interdit même d'en tirer profit. Et le troisième, c'est pour dire interdit de les faire cuire ensemble, bien sûr. Vesaïr Amishtaleach, autre cas de figure maintenant, le Saïr Amishtaleach, c'est le bouc émissaire que l'on envoie à Yom Kippour, que l'on apporte à Eretz Gezera, depuis le moment où il sort du Beth Amikdash, il devient interdit à en tirer profit. S'il s'enfuit et il va se mélanger, je ne sais pas si on parle quand il est vivant ou quand il est mort en fait, j'ai pas envie de m'engager. Je ne sais pas si c'est, si c'est spécifiquement une fois qu'on l'a déjà éjecté. Non, je crois que c'est Mefarash, une Mishnah Mefarash dans Yoma. Que depuis le moment où on le fait sortir de Yerushalayim, il devient interdit à la consommation. Donc imaginez maintenant que ce petit bouc s'enfuit et va se mélanger dans un trou d'autre que d'autres boucs. Puisqu'il y a maintenant quelque chose d'important, Isuré Anaha, interdit d'en tirer profit, de ce fait, il faut tous les détruire. Vecholin Shenishratu Ba'azara, idem encore, s'il y a une vache chouline profane qui m'appartenait à moi pour la consommation personnelle et que quelqu'un l'a prise et l'a amenée au Beth Amikdash pour l'égorger. On n'a pas le droit d'apporter des chouline Ba'azara, ça s'appelle, d'apporter des profanes dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Alors, celui qui l'égorge, à l'intérieur du Beth Amikdash, il la rend interdite à l'Anaha, à en tirer profit. De ce fait, si cette vache ensuite égorgée se mélange à mille autres vaches qui sont kshérot, alors on ne pourra plus en consommer plus aucune. Arelo Asurin, Vosrin, Bekotchen, tous les exemples que l'on a rapportés, ce sont des cas de choses qui sont interdites même à en tirer profit, et donc ils interdiront leur mélange s'ils sont sous forme d'unités importantes, alors ils interdiront leur mélange. Deux choses, deux points importants. Tout d'abord, ça a porté dans le Tifrat Israël, il y a en réalité une discussion, que, même c'est même retenu pour la Halakha, que d'avoir Khashuv lo batel, quelque chose qui est important, ne s'annule pas, même si ce n'est qu'un interdit à la consommation, mais permis d'en tirer profit. Par exemple, si on va prendre une belle tranche de viande de Nevela, qui est permise à la consommation, une Nevela c'est un animal qui a été abattu, pas par la Shrita, donc, il est interdit d'en tirer, de consommer, mais on a le droit d'en tirer profit. On a le droit de manger à un chien. Malgré tout, si une belle tranche se mélange dans mille autres tranches, pour la halakha, on retient que je n'aurai pas le droit de consommer même les mille et une tranches, je ne pourrais plus les consommer, parce que c'est d'avoir chachouv, l'obatel, quelque chose d'important. Une belle tranche, par exemple, ne s'annule pas, même si ce n'est qu'interdit à la consommation et permis à en tirer profit. Malgré tout, on tient à la halakha que c'est interdit. Je reviens maintenant au début de la Mishnah sur un détail important. On n'a qu'à le faire dans les mots du Bartenora. Lorsqu'on a vu le Yain Neser, le deuxième Bartenora du début de la Mishnah, alors c'était le vin qui a été offert en oblation à la Avodah Zara, qui devait interdit. Et la Mishnah nous enseignait que même un tonneau qui se mélange dans mille autres, tous les mille un tonneau étaient interdits. Le Bartenora nous dit, malgré tout, Ve'en ken ha'alacha. Vous voyez, regardez, je l'ai lu depuis le début. Ze Yain Neser. Yain Neser, donc c'est le vin qui a été offert en Avodah Zara, Chavit Achat be'elef Chaviot, un tonneau qui s'est mélangé dans mille autres tonneaux, Oser et Kulan be'ana'a, il va tous les interdire par en tirer profit. Venken halacha, la Mishnah continue en nous enseignant, sache que l'halacha n'est pas retenue de la sorte. Ela, kedekat vinan, shilhi, perek, kol aslamim, comme ce que l'on avait évoqué en réalité, l'halacha retient comme ce qu'on avait évoqué à la fin du perek kol aslamim. Le perek plus haut, quoi. Molir, qu'il fallait qu'on apprenait là-bas, molir dme ota chavit le yam amenach. Il faudra apporter la contrepartie de ce tonneau au yam amenach, aller détruire sa valeur. Vashar, akol, mutar, veana, et tout le reste devient permis à en tirer profit, mais vassour bishtia, interdit de boire. J'illustre concrètement de quoi on parle. J'avais un tonneau de Avodah Zara qui s'est mélangé avec 999 tonneaux. Donc maintenant, il s'avère que j'ai 1000 tonneaux qui sont 999 permis et un qui est interdit. Ça s'est mélangé. Interdit d'en tirer profit en l'état. Interdit bien sûr à la consommation. Le Bartenois nous enseigne sage que malgré tout, j'ai la possibilité de réparer, de ne pas détruire tous ces 999 tonneaux qui étaient chérim en faisant comment ?
en les vendant à un goy. Je vais aller voir un goy, je lui dis, regarde, je te vends 1000 tonneaux, donne-moi 10 000 shekels, 100 000 shekels, disons, 100 shekels chaque tonneau. Alors donne-moi tout de suite 100 000 shekels. Une fois qu'il m'a donné l'argent, je prends 100 shekels, l'équivalent de 1 tonneau, et je vais et je détruis les 100 shekels. Il s'avère que maintenant, je n'ai pas tiré profit du tout du tonneau qui était de Abu Nazara, et de ce fait, j'ai pu permettre tout le reste. D'accord ? C'est ce qu'on avait dit, donc regardez dans les mots encore une fois. Molir dmei ota chavit leyam mamlach. Il faudra apporter les dmei ota chavit. La valeur de ce tonneau, leyam mamlach. C'est-à-dire, une fois que j'ai vendu tous les tonneaux qui étaient à la majorité, à la grande majorité permis et un seul qui était interdit, je les vends tous et je prends la valeur de un tonneau qui était le tonneau interdit et d'achat à col moutard et tout le reste sera permis. Maintenant, son moutard, Bernard, en tirer profit. Vassour, Bishtia, par contre, il sera défendu de boire ce vin. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Koltou, Salam.